Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 17 janvier. Aujourd'hui, pour moi, est un jour exceptionnel. J'espère que pour vous aussi, mais pour moi, il est exceptionnel dans un sens. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma chère et tendre épouse Karine. Karine, qui est l'éditrice, la directrice, je vais dire, de cette chaîne YouTube, Karine 7777, c'est son anniversaire aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à lui souhaiter tous les bons anniversaires, parce qu'elle va être encouragée, elle va se sentir aimée. Et comme je dis, quand on se sent aimé, on se sent poussé des ailes, mon frère, ma soeur. Et comme je dis, ne cessons pas de nous aimer les uns les autres. Donc si mon épouse a été de bénédiction pour vous, soyez de bénédiction envers elle en écrivant un simple « Joyeux anniversaire, princesse !»« Joyeux anniversaire, fille du Dieu vivant !»« Joyeux anniversaire, prophétesse !»« Joyeux anniversaire, servante de Dieu !» Mettez la phrase qui vous plaît, ce qui vous tient à cœur, comment vous l'honorez, mon épouse. Moi, sincèrement, je suis un homme comblé, parce que c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, je me tiens debout en train de vous parler des choses de Dieu. Parce que pour ceux qui ne savent pas mon témoignage, je ne sais pas si à l'heure que je vous parle, parce que ces enregistrements ne sont pas faits le 17 janvier, ils ont été faits bien avant, parce que comme je dis, il y a toute une structure, tout un montage à faire. Mais je ne sais pas si je l'ai mis, mais j'ai à cœur de vous partager mon expérience, ma conversion, de comment Dieu a touché mon cœur, de comment Dieu est venu et s'est présenté à moi personnellement, non pas par l'entremise d'un homme ou d'une femme, mais Dieu s'est présenté personnellement à moi. Et depuis ce jour, c'est un jour où je ne pourrai jamais l'oublier. Jamais. Ça a été le plus beau jour de ma vie. Ça a été encore plus beau que mon mariage. Ça a été encore plus beau que la naissance de mes enfants. Certains diront, mais Salvatore, comment oses-tu dire ça? Oui, parce que ce jour-là, Dieu m'a changé. Dieu m'a complètement transformé en un seul jour. Pourtant, je dis bien que le changement, c'est quelque chose qui s'opère de jour en jour. Mais comme je dis, de comme j'étais, Dieu m'a fait vraiment un nouvel homme, une nouvelle beauté intérieure. Et Dieu a dit, voilà, Salvatore, maintenant, on va travailler ensemble. Ça, c'est ce que je fais avec toi. C'était impossible pour toi de le faire. Mais là, maintenant, nous allons travailler ensemble. Et donc, voilà. Je cesse, hier j'ai fait plus de 4 minutes d'introduction, aujourd'hui voilà, je suis à 2 minutes 45, nous allons stopper là. 17 janvier, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Car nous marchons par la foi et non par la vue. Le titre de cette méditation est « Marcher par la foi ». C'est un témoignage qui date de 1971. L'homme de Dieu prêchait dans une église à Pasadena, dans le Texas. Il connaissait le pasteur et sa femme depuis plusieurs années. Sa femme fut opérée 2 fois de cancer dans un grand hôpital de cancérologie à Houston, dans le Texas. Lorsque le cancer revint une 3e fois, les médecins annoncèrent qu'il s'était étendu à toutes ses glandes de son corps et qu'il ne vivrait pas plus de 3 mois. Le pasteur de cette église emmena sa femme à un des cultes que cet homme de Dieu présidait. En la voyant, ma femme et moi faillîmes pleurer. Elle était cadavérique. Elle s'avançait et je lui imposais les mains. La puissance de Dieu tomba sur elle et elle déclara « Ça y est, je sais que je suis guérie selon la parole de Dieu. » Et pourtant, elle avait toujours tous les symptômes. Elle était toujours impotente. Certains de nos jours diraient, quelle menteuse. Non. Le domaine de la foi, il n'y a pas de mensonge. Tu proclames la chose qui n'existe pas. Parce que nous marchons non pas par la vue, nous l'avons lu, mais par la foi. Et là, il n'y a pas de mensonge. Cette femme de pasteur s'est vue guérie. Son mari devait toujours la sortir de lui et l'habiller. Il devait toujours préparer ses repas, la prendre dans ses bras et l'asseoir sur une chaise à table. Mon frère, ma sœur, les prochains jours, nous allons lire cette histoire merveilleuse, glorieuse et cette histoire divine. Parce que tu dois comprendre certains principes bibliques.
Je sais qu'aujourd'hui, on veut tout de suite. Non. Nous ne sommes pas au Quick, nous ne sommes pas au McDonald's, nous ne sommes pas dans une friterie où tu commandes quelque chose et tu l'as. Non. C'est quelque chose, c'est un processus, la foi. Dieu travaille avec nous. Et nous, nous travaillons avec Dieu. Alors, une bonne déclaration pour aujourd'hui, 17 janvier. Je sais que je suis guéri selon la parole de Dieu. Je fais le choix de marcher par la foi dans la parole de Dieu et non par la vue. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, j'espère que tu as été béni. Je te laisse avec cette parole d'aujourd'hui. Travaille encore comme l'autre jour avec le Saint-Esprit. Parce que tu vas voir que Dieu va travailler, va modeler ta foi, mon frère, ma sœur. Dieu est en train de poser les mains sur toi, mon frère, ma sœur. Dieu est en train de te faire comprendre des choses spirituelles qu'on ne comprend pas avec la vue, avec les oreilles, avec notre entendement, parce que c'est spirituellement qu'on en juge, la Bible nous dit. C'est spirituellement. Et Dieu veut te porter dans cette dimension. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Voilà mon frère, pour aujourd'hui, 17 janvier, ma sœur aussi. Bien entendu, quand je parle de frères, c'est frères et sœurs. Je crois aussi au ministère de femmes. Je ne crois pas que la femme doit, comme beaucoup disent, rester assise dans une église, se taire, mettre son voile et juste faire les services de nettoyage, les services de rangement, les services pour l'école du dimanche. Je crois que la femme a aussi un ministère dans l'église. C'est ce que je crois fermement. Et si nous, les hommes, nous passions outre de nos raisonnements humains et religieux aussi, parce que je sais qu'il est écrit. Vous ne m'apprenez rien en disant, Salvatore, il est écrit que. Oui, je sais qu'il est écrit. Il est écrit à l'église de Corinthe. N'est-ce pas? Donc, il est écrit à l'église de Corinthe. Qu'est-ce qui se passait comme problème là-bas? Regardez, lisez, méditez. Arrêtez de prendre un verset et dire, voilà, il est écrit ça. Lisez le contexte. Chers frères, chers pasteurs, chers hommes de Dieu, arrêtez de prendre un seul verset sans comprendre le contexte. Arrêtez de penser à nos coutumes. Essayons de regarder ce que Dieu dit dans sa parole. Essayons de regarder pourquoi l'apôtre Paul a fait écrire que la femme devait mettre un voile. Pourquoi? Qu'est-ce qui représente le voile de la femme? Essayez de comprendre pourquoi Dieu dit dans cette église de Corinthe pourquoi la femme devait se taire. Essayons de comprendre. Lisons quelques chapitres avant. Lisons tout le livre. Nous avons aujourd'hui des Bibles audio aujourd'hui. Vous écoutez, vous mettez, voilà, si mes souvenirs sont bons, c'est 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens, je ne sais plus exactement, mais c'est à l'église de Corinthe, ça je le sais. Regardez où ce que c'est mis. Là, vous me dites, voilà, c'est 1 Corinthiens. Ben, lis tout 1 Corinthiens. C'est mis dans 2 Corinthiens. Lis tout dans 2 Corinthiens, mon frère, ma soeur. Lis. Prends le contexte. Et regarde pourquoi. Nous comprenons qu'il y avait un souci dans cette église-là avec les femmes. Les femmes voulaient imposer leur loi aux hommes. Et Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais si ce n'est pas le cas dans ton église, si une sœur reçoit aujourd'hui un message comme quoi Dieu aime toute la création, pourquoi doit-elle se taire? Dieu a parlé à travers un âne. Pourquoi la femme ne pourrait pas parler? Pourquoi ce n'est que les hommes qui peuvent parler, mon frère, ma sœur? Non, Dieu s'utilise des femmes aussi. Je ne veux pas être en dispute avec qui que ce soit. Mais ce que je veux, c'est que la vérité soit rétablie. Ça, c'est sûr et certain, ça. Parce que Jésus s'appelle la vérité. Donc, nous devons marcher dans cette vérité. Au nom puissant de Jésus, sois béni, mon frère, ma sœur, et reçois ta guérison, reçois ton miracle, au nom de Jésus.